monsieur, madame, monsieur. Marchons ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur, madame, monsieur. Vivons ensemble, mais se disputent chaque jour. Madame, monsieur, madame, monsieur. Madame, monsieur, madame, monsieur. Un couple uni, mais très différent. Madame, monsieur, madame, monsieur. Uni, mais très différent. Madame, monsieur, madame, monsieur. Toujours un tiraillement. Madame, monsieur, madame, monsieur. Un amour sans tension. Madame, monsieur, madame, monsieur. Uni, mais très différent. Marchons ensemble, dormons ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh. Madame, monsieur, madame, monsieur. Toujours un tiraillement. Madame, monsieur, madame, monsieur. Différent, mais heureux ensemble. Madame, monsieur, madame, monsieur. Bonsoir. Tu ne dors pas. Tu sors d'où? Attends. Tu es saoul? Non, bébé. Je suis solide. Et hâte. Piwele. Piwele, tu étais avec qui? J'étais avec Billy Austin. On prenait un pot quelque part. Tu as vu l'heure qu'il est? Mais j'étais prévenu que je rentrais tard, non? Hein? Où ça? À quel moment, menteur? Même pas un seul appel venant de toi. Même un message, Piwele. Ah bon? Tu finis de travailler. Au lieu de rentrer chez toi, tu vas t'asseoir dans les bars jusqu'à 1h du matin. Tu trouves ça normal? Mais qu'est-ce qu'il y a, hein? Je suis le chef de cette maison, non? Je rentre à l'heure que je veux. Laisse-moi vivre. Ok. Pas de problème. Dans ce cas, tu vas aller vivre au salon. Parce que tu ne dormiras pas dans ce lit ce soir avec tout l'alcool que tu pues là. Quoi? Chez moi? Dans la maison que j'ai construite? Je vois qu'il te manque même 2 chromosomes. Hein? Piwele, sors d'ici. Sors de cette chambre, Piwele. Sors d'ici. Sors d'ici, Piwele. Piwele. Je sais que je vais me coucher celui-ci comment aujourd'hui. Arrête, Austin, tu pues l'alcool. Oh, bébé. Hey. Arrête! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je ne te reconnais plus. Bien, bien. Arrête ça. Je n'ai jamais vu mon mari dans cet état. Je ne le reconnais plus. Piwele et Bill sont sûrement en train de l'entraîner dans quelque chose de louche.
C'est quoi la solution donc? Je vais parler à Sophie et à Passy pour qu'on trouve une solution afin de les empêcher de glisser dans la débauche. Oui. Chef, j'espère que tu ne vas pas rentrer tard. Pourquoi? Parce que j'ai instauré une nouvelle règle. Désormais, dans cette maison, il y a un couvre-feu. Plus personne dehors après 19h. Je demande à Sophie. Tu es même normale? Tu es sûre que tout va bien? Je te rappelle que je dirige une entreprise. Et pour des contraintes professionnelles, c'est peu que je reste au bureau jusqu'à 22h. C'est ton problème. Tu diriges ton entreprise et je dirige ma maison. Le travail ne finit pas, mais l'homme finit. Alors j'ai décidé que, à partir d'aujourd'hui, après 19h, plus personne n'entre. Enfin, je suis sûr que tu blagues. J'ai l'air de blaguer. Ok, et si alors on va voir. Attends, tu me menaces, Sophie? Non. Écoute, chérie, pour que ta femme jouisse de ta chaleur chaque soir, elle a juste instauré une nouvelle règle. Les habitants de cette maison, désormais, après 19h, n'entrent plus. Point. Bonne journée. Donc, tu n'ouvres même pas sur le portail? Là-bas, il n'y a même pas de problème. N'oublie seulement pas ma nouvelle règle. Mais tu appelles quoi couvre-feu? C'est un docteur qui me pose la question. Un enseignant universitaire qui ne connaît pas la signification du couvre-feu. Bon, je vais quand même t'expliquer. Parce que je peux croire que tu es en train de faire semblant alors que réellement tu ne connais pas toi. Passy, ne me provoque pas. Ne me cherche pas. Ok. Bon, tu peux prendre le cahier et tu notes. Le couvre-feu signifie que au-delà de 19h, ni toi ni moi ne devons plus être dehors. Tu es amusante. Tu sais bien que le jeudi, je dispense les cours jusqu'à 20h. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pensé à une prolongation allant jusqu'à 21h le jeudi. Mais les autres jours, c'est 19h au plus tard. Sinon, le coupable ne va pas entrer. Dis-moi, tu instaures le couvre-feu dans cette maison en tant que qui? Tu m'as consulté avant? Ah, toute femme a le droit d'instaurer les règles dans sa maison, Piwele. S'il y a quelqu'un ici qui doit instaurer ce genre de règles, c'est moi et non toi. Je n'en disconviens pas, mais sache que chaque foyer conjugal fonctionne avec des règles. Puisque tu n'y as pas pensé, j'ai anticipé. Ça ne m'exclut pas, oh. Si moi-même je ne respecte pas, j'écope tout simplement. En tout cas, ton couvre-feu, c'est pour toi et ta fille, pas moi. Il n'y a pas d'exception, monsieur. Le couvre-feu, c'est pour tout le monde. Je vois que tu as besoin de câlins ce matin. Mais t'inquiète pas, chérie, je suis déjà en retard. On le fera ce soir. Et à l'heure que je voudrais. Ok. Bonne journée, chérie. Yaoundé, panthère du nez. Ah non, non, non. Pour rien au monde, je ne peux rater ce match. Inenvisageable. Je le verrai en direct du stade. On va y aller. Moi-même, je dois assister à ce match en direct. Bien sûr. Bon, les gars, il est 18h30. Je vais devoir vous fausser compagnie. Ah non. La soirée vient à peine de commencer. Qu'est-ce que tu nous fais? Est-ce que c'est ce qu'on a conclu? Écoutez, plus sérieusement, ma femme ne souhaite plus que je rentre à la maison après 19h. Attends, Sophie m'a dit la même chose. Ah oui? Ouais. Passy également m'a posé la même condition. Donc, si je comprends bien, cette histoire de couvre-feu là, c'est un arrangement entre les trois. Austin, tu vois bien qu'elles essayent de nous contrôler. Mais alors mon vieux, tu ne vas pas respecter ces règles bidons, hein? On a à peine pris 3 bières. Désolé. Vous allez devoir continuer sans moi aujourd'hui. Parfois, je me demande même pourquoi je t'adresse encore la parole. Hein. Comment tu peux te faire commander par une femme? Mon cher Piwale,
On a déjà eu à débattre sur ce sujet des centaines de fois. Et comme je vous l'ai toujours dit et je me répète, c'est un choix personnel et non une obligation. Vous savez, j'adore tellement ma femme que je n'hésite pas à faire des concessions quand il le faut. C'est important pour la paix et l'harmonie dans le couple. Ah oui, ça c'est Austin. Amusez-vous bien les gars. Tu es vraiment une couille morte. Laisse-le partir. De toutes les façons, nous sommes des messieurs. Donc si mademoiselle décide de partir, ben tant mieux. Sérieux? Austin fait ça comment? Il va te dire que c'est un choix. Une mauviette comme ça. Hein? Je suis sûr qu'on l'a vendu au village, je t'assure. À cette allure, si Dieu l'a béni et leur donne un enfant, je te jure qu'il va se rentrer à la maison à 15h. Il va même aller faire la cuisine. Et changer les couches du bébé. Austin le romantique. Ouvre, c'est moi. N'est-ce pas? Il est quelle heure à ta montre? Oh, Sophie, ouvre-moi la porte, c'est comment? Les règles, ce sont les règles, monsieur. Il est 21h et nul n'est au-dessus de la loi. Sophie, arrête ça. Ouvre-moi la porte. Désolé, mon chéri, mais je ne peux pas transgresser la loi à cause de toi. Sophie, je vais te faire mal si tu n'ouvres pas cette porte. Comment avec toi? Ça ne sert à rien d'insister, hein. Il faut respecter le couvre-feu. Dame, ouvre cette porte. C'est comment? Je vais tout voir. Dans ma propre maison, tu... Dame, ouvre la porte ici! Sophie, ouvre-moi ça! Dame, ouvre ça! C'est qui? Ouvre. Qui est-ce? Vas-y, ouvre la porte. Je n'ouvre pas aux inconnus. Présente-toi. C'est moi, ton mari, Piolet. Ah, ok. Si c'était un inconnu, j'allais ouvrir. Mais comme c'est toi, mon mari, Piolet, tu connais les règles de cette maison. Donc tu vas seulement subir l'ascension. Vas-y. Tu me connais, non? Je suis capable de casser cette porte. Casse, hein? Casse. Casse si tu peux. Tu n'as pas respecté le couvre-feu de cette maison. Va dormir d'où tu viens. Passy! Passy! Alice? Oh, bonsoir, maman. Il est quelle heure? Il est à peine 22h, maman. Et c'est une heure indiquée pour une jeune fille raisonnable d'être dehors? Ouais, maman, tu savais que j'étais chez Arnaud, je t'ai prévenue, non? Ton père, ta mère, il te faut interdire les sorties nocturnes. Tu me veux quoi? Tu veux que toutes tes bêtises me tombent sur la tête? Maman, c'est pas comme si j'étais sortie m'amuser. Arnaud et moi, nous étions en train de faire des exercices. Hein? Vous n'avez fait que des exercices. C'est parce que je sais que tu es une jeune fille sage que je te couvre jusqu'ici. Sinon, ton père t'aurait corrigé il y a très longtemps. Mais Alice, je ne peux pas continuer tant que toi-même, tu ne te fixes pas des limites. Il faut t'imposer toi-même un couvre-feu que tu dois respecter. Ok, maman, c'est compris. J'espère bien. Allez, monte tes changes avant qu'il ne te surprenne ici. Maman chérie. Non, 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 ça ne marche pas cette fois-ci, non. Allez, va t'échanger. Dépêche-toi. Je t'aime très fort, maman. Moi non plus. Qui? Pourquoi il ne dort plus? Oh. Je suis sûre que les moustiques l'ont bien mangé là-bas dehors. Bill! Bill!
Mais où est-ce qu'il est passé? Pourquoi Bargara traînait comme ça? Il faut que je l'appelle. Qu'est-ce que tu fais ici à Paris, hein? Passer un problème? Non, non, non. Aucun problème. C'est alors quoi? Vous vous êtes disputé? Non plus. Elle a refusé de m'ouvrir la porte sous prétexte que je suis rentré tard. Bah, c'est vrai, il se fait tard, mais elle ne doit pas te fermer dehors. Tu es son mari. Attends, je l'appelle, qu'elle m'explique. Oui, Passy. Ton mari est ici chez moi et me dit que tu l'as fermé dehors. Qu'est-ce qui se passe? Oui, maman, qu'il t'explique aussi pourquoi. C'est la raison pour laquelle je t'appelle. Piwile n'a pas respecté le couvre-feu, maman. J'ai instauré une règle ici à la maison. Quand je lui en ai parlé, il m'a ri au nez. Maintenant qu'il assume les conséquences. Ma fille, depuis quand est-ce qu'une femme impose le couvre-feu à son mari? Hein? Viens rapidement le chercher chez moi. Maman, je n'ai même pas l'intention de bouger où je suis là. Ça lui servira de leçon. Quoi? Allô, Passy? Elle m'a raccroché. Tu vois? Ok, dis-moi. À part ça, vous aviez eu un autre problème? Aucun problème. Ok. Allons-y, je vais t'accompagner. Et je verrai si à moi non plus, elle ne va pas ouvrir la porte. Non, belle maman. Il se fait déjà tard. En plus, je suis fatiguée. Je sais pas, est-ce que c'est pas possible que je passe la nuit ici? Mais bien sûr, mon fils. C'est aussi ta maison. Ah! Les jeunes mariés d'aujourd'hui. Ok. Suis-moi, je te prépare une chambre. D'accord. Bill. Allô? Qui es-tu et que fais-tu avec le téléphone de mon mari? Notre mari, Madame Ewane. Moi, c'est Anna. Notre mari est tout près de moi. Il est en train de dormir. Quoi? On a fait l'amour. Il est fatigué. Allô? 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 Allô, Kim? Oui, Sophie, ça va? Ça ne va pas du tout. Dis-moi, ton mari est rentré? Oui, il est rentré avant le couvre-feu, Emile. Je vais te rappeler, je vais tout te raconter, promis. Ok. Allô, Passy? Ton mari est là? Oui, à 21h passée. Je n'ai pas ouvert comme prévu. Ma mère vient de m'informer qu'il est là-bas. Et Bill? Bill m'a fait quelque chose. J'ai l'impression que mon cœur va s'arrêter. Il t'a encore frappé? Bête à même, il me tape. Parce que ce qu'il vient de me faire est pire que la chicole. Il est rentré tout à l'heure, il a toqué. Comme l'heure du couvre-feu était à passer, je n'ai pas ouvert. Au lieu que le bon monsieur pas aussi rester chez ton père comme ton gars a fait. Il est parti dormir chez sa maîtresse, Anna. Quoi? Attends, comment tu peux en être aussi sûre?
J'ai appelé son numéro, c'est Anna qui a décroché. Elle me dit qu'ils étaient en train de faire l'amour. Oh, Dieu, Sophie. Bill n'a pas osé. Que comptes-tu faire maintenant? Tout, sauf rester là sans rien faire. Ça va pas se passer comme ça. Madame, vous avez mal au... Ça va mieux? J'ai juste un peu mal à la tête. Le médecin a dit que tu dois te reposer. Mm-hmm. Heureusement que tu n'as rien eu de grave. Dieu merci. Plus de peur que de mal. Mm-hmm. Et dis qu'on aurait pu éviter tout ça. Tu as dit quoi? Oui, on aurait pu éviter tout ça si tu avais respecté le couvre-feu. S'il te plaît, Sophie, ressaisis-toi. Pourquoi tu me fais tout ça, Bill? Pourquoi tu me fais subir tant d'humiliation? Sophie! Quoi, Passy? Je dois passer mon temps à supporter ses excès et ses écarts, alors que lui, il est incapable de respecter une seule petite règle de rien du tout. Attends, c'est quoi cette histoire de couvre-feu? Hein? Maman, ces hommes exagèrent. Ils ne peuvent pas simplement reconnaître leurs erreurs. Austin s'est ressaisi et s'est plié à la règle du couvre-feu de sa femme. Mais comme vous êtes les super hommes, vous voulez que l'une de nous meure ou qu'il lui arrive ce genre de choses pour que vous preniez conscience? Mais attends, attends. C'est pas une raison pour que Sophie aille chez cette femme la nuit. Si tu avais perdu ta vie, tu as pensé à tes enfants? Belle maman, ce ne sont pas aussi ses enfants. Il n'a pas pensé à eux quand il allait chez elle. Écoutez, on résout le problème du couple par le dialogue et non le radicalisme. Vous êtes tout sauf les hommes. C'est pour cela que j'ai un profond respect pour Austin. Je vous le dis aujourd'hui. Ça ne va pas se passer comme ça, Ewane. Tu vas me le payer, crois-moi. Soyez pacifique. Ça ne sert à rien de s'enflammer. Maman, ne parle pas comme ça. Tu ne sais pas ce qu'on endure avec ces deux-là. Ma fille, je sais très bien. Je ne suis pas en train de les encourager. D'ailleurs, Bill me déçoit énormément. Et j'ai du mal à digérer ce qu'il a fait. Mais je vous exhorte à réfléchir comme les adultes que vous êtes. Hein? Résolvez vos problèmes par le dialogue. Et cette histoire de couvre-feu, levez-moi ça rapidement. Je ne veux plus entendre parler, ok? Merci, belle maman. Merci. Seigneur. Enlève toutes les douleurs de cette blessure et tu lances ça sur l'homme qui est en face de moi au nom de Jésus. Amen. Et transfère directement sur son voisin pour qu'il goûte avant que son tour n'arrive. Amen. Amen. Ça va, Amen. Voilà la bonne guerre.